j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. J'ai été victime en fait d'une sorte d'erreur policière cet été. Et, qu'est-ce que vous appelez une sorte d'erreur? Bah, dans le sens où j'ai été interpellé à tort, et du coup là apparemment... Contrôlé à tort, mais il n'y a pas de contrôle à tort, il n'y a que des contrôles. Rappelez-moi les circonstances, vous êtes contrôlé quand, par qui? Alors, j'ai été contrôlé le 14 juillet dernier. Il se trouve que j'étais en train de fumer un pétard, c'était dans la rue. Oui. Et on m'a reproché le 14 juillet de fumer un pétard dans la rue, alors que c'est toléré, si vous voulez. Donc, non, attendez. On va couper court à toutes les idées reçues d'un bloc. Il n'y a pas de tolérance quant à la fumette. Sauf? Sauf quoi? Bah, sauf le 14 juillet. Eh, monsieur, moi, je vais pas m'épancher, hein. Non, bon, le shit est un produit toxique, vous en consommez, vous êtes un toxicomane. Que ce soit le 14 juillet ou la veille de la prise de la Bastille ou de l'anniversaire. Non, mais ça, je suis d'accord. Bon, alors après, à quel moment vous n'êtes plus d'accord? Bah, parce que c'était le 14 juillet. Mais vous êtes. Je vous dis que ce n'est pas autorisé le 14 juillet plus que les autres jours. Alors pourquoi moi j'ai un article de journal? Mais où... qu'est-ce qu'il dit cet article? Voilà, donc le 14 juillet, hein, puisqu'il parle du 14 juillet, est le seul jour où sont tolérés dans la rue pétards et feux d'artifice. Mais pétard, monsieur, pétard qui fait pan, pas pétard qui se fume. Donc on est d'accord. Vous fumez des pétards qui font pan ou des pétards qui avaient à base de résine de cannabis? Non, ni l'un ni l'autre, non, c'est du shit. Enfin, du shit, c'est pas de la résine de cannabis. Eh, faut arrêter la fumette, monsieur, hein. Vous avez été contrôlé le 14 juillet, je réitère, en train de fumer du cannabis sur la voie publique. Non, on est d'accord? Ah non, je vous ai dit, c'est du toshi, comme on dit. Et parce que le shit, c'est pas de la résine de cannabis? Oh, mais il va falloir quand même mettre les pieds sur terre, là, ou pas m'appeler quand vous avez fumé, monsieur, hein. Non, mais j'ai pas fumé, là. Ah bon? Eh ben, écoutez, moi, je suis... Vous allez venir. Non, mais le truc, c'est comment faire annuler ce truc-là, parce que... Mais vous allez sûrement pas faire annuler. Faut consommer du tamia, du shit, de la beuh, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, en l'occurrence de la résine de cannabis, c'est un délit passible d'un an et demi de prison et de 100 000 francs d'amende. Sauf? Vous avez... Sauf quoi? Ça y est, il va en ressortir. Les pétards, c'est les pétards qui font pan qu'ils ont autorisé le jour du 14 juillet, monsieur. Ah, c'est autorisé le 14 juillet, vous les avez... pétards qui explosent, pas ceux qui se fument, putain, vous allez comprendre. Mais je comprends très bien, mais je vois pas... Eh ben alors, ne me dites pas que c'est autorisé de fumer le jour du 14 juillet. Bah, vous venez de me le dire. Oh putain, mais il est... Non, mais hey, je crois qu'on va pas... Je recommence. Ouais. Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Vous parlez super fort, excusez-moi, mais là, je... Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Sauf le 14 juillet, ça j'ai bien compris, non, monsieur. Non, pourquoi? Mais putain, mais... Oh, je vais raccrocher, parce que là, vous me gavez, là. Bah, excusez-moi, mais enfin... Vous venez de me parler de l'article de journal. Pétard et feu d'artifice, oui. Ça s'appelle des choses qui font... Boum! Des produits détonnants, pas des produits qui se consomment, pas des produits toxiques! Non mais monsieur, là vous me parlez des feux d'artifice. Oui, et l'article de journal il parle de quoi? Ah mais il parle aussi des pétards, c'est ce que je vous ai dit. Des pétards qui explosent! Putain mais il est trop celui-ci, oh. Vous êtes lourd, hein? Oh bah merci. Bah vous êtes lourd, je vous le répète. Bah, enfin, écoutez-moi monsieur, écoutez, moi je vais couper court à cette conversation à la con. Moi je vous dis, le 14 juillet est un jour comme le restant de l'année en France, et qu'il est interdit de consommer du hashish toute l'année. Bah oui, un pétard, enfin ça reste un pétard. Mais non, parce qu'un pétard, c'est vous qui l'appelez comme ça. Ils disent pas de fumer... Les joints sont autorisés le 14 juillet. Ils vous parlent de pétards et feux d'artifice. Vu que c'est autorisé, pourquoi moi... Putain, mais vous êtes lourd. Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le redis. Ouais. Fumer est interdit tous les jours de l'année, ça veut dire... Sauf 14 juillet... Putain, bon allez, au revoir, monsieur.